como se dice ejercicio, concernó la relación carril. Ejercicio para que atrape colección. Calculé A, B, C, D, F. También si es cierto, on va appliquer pour tout x positif, racine carrée de x au carré est égal à x, et racine carrée de x du tout carré est égal à x. Là est égal à racine carrée de 15, into 15 au carré, moins 12 au carré. On commence par calculer. Ouais, calculer ce qu'il y a dessous de la radicale. Donc 15 carré, c'est 225, 15 fois 15, 225, et moins 2 fois 12, 144. 225 moins 144 est égal à 100, à racine, est égal à 21, 81. 81, c'est comme on a 9 au carré, racine carrée de 9 au carré est égal à 9. Donc on a ici. On enlève les radicales, je calcule. Là, on commence par la multiplication. 4 fois 6, c'est 24. Et 25 plus 24 est égal à 49. 49, c'est le carré de 7. Donc, racine carrée de 49, de racine carrée de 7 au carré, qui est égal à 7. Un peu de même. On a. Je commence par le calcul racine carrée de 4. Donc racine carrée de 4 au carré, c'est 2. 2 plus 62, c'est 64. Et racine carrée de 64 est égal à racine carrée de 8 au carré, qui est égal à 8. 7 égale à 8. Deuxième, ici, on a racine carrée de 5 au carré est égal à 5. Racine carrée de 7 au carré est égal à 7. 13 plus 5 plus 7 est égal à 25. Racine carrée de 25 est égal à racine carrée de 5 au carré qui est égal à 5. Donc, D est égal à 5. On calcule 1. On commence par calculer racine carrée de 9. Donc, racine carrée de 9, c'est racine carrée de 3 au carré qui est égal à 3. 3 plus 78 est égal à 81. Racine carrée de 81 est égal à 9. Et 58, 81 est égal à 9. Et 58 moins 9 est égal à 49. Racine carrée de 49, c'est racine carrée de 7 au carré qui est égal à 7. Donc, carré est égal à 7. Racine carrée de 10 puissance 4, c'est racine carrée de 10 au carré. Le tout au carré qui est égal à 10 au carré. Et racine carrée de 2 puissance moins 6 est égal à 10 moins 3. Racine carrée de 10 moins 3 est au carré est égal à 10 moins 3. 10 au carré est égal à 100. 10 puissance moins 3 est égal à 0,001. Et 100 moins 0,001 est égal à 99,999. On calcule G. G est égal à moins 2 racine de 3, racine carrée de 3, le tout au cube, le tout au carré. C'est comme on a moins 2 racine de 6, le tout puissance 6, 2 fois 3 est égal à 6, puisque l'exposant est pair, donc moins 2 racine de 3, le tout puissance 6, est égal à 2 racine de carré de 3 puissance 6, qui est égal à 2 racine de 3, 2 racine 3, 2 racine carrée de 3 au carré, le tout au cube. 2 racine de 3 au carré est égal à 2 au carré qui est égal à 4 fois racine de 3 au carré qui est égal à 3. Le tout au cube, 4 fois 3 c'est 12. 12 au cube est égal à 12 fois 12 fois 12. 12 fois 12, 144 fois 12, 1728. On calcule H. H, on a l'exposant, il est impair. Donc le résultat, il est négatif. Donc moins racine de 7, le tout. Puissance 7 est égal à moins racine de 7, le tout puissance 7. Et 7 est égal à 6 plus 1. Donc, moins racine de 7 puissance 7 est égal à moins racine de 6 de 7 puissance 6 fois racine carrée de 7. Et racine carrée de 7 puissance 6 est égal à racine carrée
du sept au carré, le tout au cube. Racine carrée de 7 au carré, c'est 7. Donc, on trouve 7 au cube. Donc, h égale à moins 7 au cube fois racine carrée de 7. Moins 7 au cube, c'est moins 343. Moins, et là, je trouve h égale à moins 343 racine carrée de 7. Calcul. Ah, donc là, surtout, j'écris racine carrée de x sous forme a racine carrée de b. Voilà le but de cet exercice 2. Exercice 2, on commence par a. Donc on essaie d'écrire 45 sous forme d'un produit d'un carré parfait fois un nombre et 20 produit d'un carré parfait fois un nombre. Donc on a 45 est égal à 9 fois 9 fois 5. Et 20 est égal à 4 fois 5. Racine carrée, donc je trouve a est égal à 4. Racine carrée de 9 fois 5, moins 3, racine carrée de 4 fois 5. Et j'applique la propriété racine carrée de a fois b est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc là, on a racine carrée de 9, de a est égal à 4 fois racine carrée de 9 fois racine de 5, moins 3, racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Donc, je trouve a est égal 4 fois racine carrée de 9 est égal à 3. Racine carrée de 2 est égal à 2. Donc, je trouve 4 fois 3 racine de 5 moins 3 fois 2 racine de 5. 4 fois 3, c'est 12. Et 3 fois 2, c'est 6. Et je trouve 12 racine carrée de 5 moins 6 racine carrée de 5. Je facture par racine carrée de 5. Je trouve 12 moins 6 fois racine carrée de 5 est égal à 6. Racine carrée de 5. Donc a est égal à 6 racine carrée de 5. De même, on a b est égal à racine carrée de 24 moins 7 racine carrée de 54. Donc là, on a b est égal, donc 24 c'est 4 fois 6, moins 7 racine carrée de 54 c'est 9 fois 6. Donc b est égal à racine carrée de 4 qui est égal à 2 racine carrée de 6, moins 7 racine carrée de 9, fois racine carrée de 6. Racine carrée de 9 est égal à 3. Donc je trouve B est égal à 2 racine carrée de 6, moins 7 fois 3, c'est 21 racine carrée de 6. Je factorise par racine carrée de 6. Je trouve 2 moins 29 fois 2 moins 29 fois racine carrée de 6. Et 2 moins 29 est égal à moins 19. Donc, je trouve B est égal à moins 19 racine carrée de 6. On calcule C. La séquence est égal à 25 fois 2. 128 est égal à 64 fois 2. Et 162 est égal à 81 fois 2. Et 18 est égal à 9 fois 2. Donc, je trouve C est égal à C, 3. Racine carrée de 25, c'est 5. Donc, 5 racine carrée de 2. Racine carrée de 64, c'est 8. Racine carrée de 2. Plus 5, racine carrée de 81, c'est 9. Racine carrée de 2. Et 4, moins 4, fois racine carrée de 9. Fois racine carrée de 2. Donc, racine carrée de 9 est égal à 3. Je trouve moins 4 fois 3, racine carrée de 2. Je calcule. 3 fois 5, c'est 15, racine carrée 2, moins 8, racine carrée 2, 5 fois 9, c'est 49, 4 fois 3, c'est 12. Je factorise par racine carrée de 2, je trouve, entre parenthèses, 15 moins 8 plus 45 moins 12, le tout fois racine carrée de 2. Et enfin, c est égal à 40 racine carrée de 2. 40 est égal à 15 moins 8. Plus 45 moins 12. J'ai ici 15. 15 plus 45, c'est 60. 8 plus 12, c'est 20. 60 moins 20, c'est 40. 40 racine carrée de 2. De même, je calcule D. D, on a 180, c'est 36 fois 5. Et 245, c'est 45, c'est 49 fois 5.
Racine carrée de 36 est égale à 6, donc je trouve 6 racine carrée de 5, racine carrée de 49 est égale à 7. Je trouve 7 racine carrée de 5, donc je trouve 6 racine carrée de 5 moins 42 racine carrée de 5. Je factorise par racine carrée de 5, donc là, D est égal à 6 moins 42, le tout racine carrée de 5 est égal à moins 36 racine carrée de 5. On calcule, toujours calcul. Ici, on va développer et simplifier. Voilà, développement en utilisant les racines carrées. On calcule A. Voilà. On a 3 racines de 7 fois racine carrée de 2, c'est 3 racines carrées de 14, car racine carrée de 7 fois racine carrée de 2 est égale à racine carrée de 2 fois 7 qui est racine carrée de 14, moins 3 fois 4 c'est 12, racine carrée de 7 fois racine carrée de 7, racine carrée de 7 au carré c'est 7, et 7 fois 12 est égal à 84, moins 5 racine carrée, 2 fois 7 c'est racine carrée de 14, 7 c'est 14, moins 5, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 au carré, est égal à 2, et 5 fois 2 est égal à 10, donc je trouve moins 10. Plus 2 racine carrée de, et ici j'ai 56 est égal à 4 fois 14, racine carrée de 4 fois 14, racine carrée de 4 fois racine carrée de 4 est égal à 2 racine carrée de 14. Donc racine carrée de 56 est égal à 2 racine carrée de 14, je multiplie par 2. Moins racine carrée de 9 qui est égal à 3. Donc la 3 racine carrée de 14, je simplifie, je réduis ici. 2 fois 2 racine carrée de 7, 4 racine carrée de 14. 3 racine carrée de 14 moins 5 racine de 14 plus 4 racine de 4, plus 4 racine carrée de 14. 3 racine carrée de 4, 3 plus 4, c'est 7. Donc 7 racine carrée de 14 moins 5 racine carrée de 14 est égal à 2 racine carrée de 14. Et là, moins 84 moins 10 moins 3 est égal à moins 97. B, je développe. 2 racine de 5 fois racine carrée de 2 est égal à 2 racine carrée de 5 fois 2 et 2 racine carrée de 10. 2 racine carrée de 5 fois 3 racine carrée de 5. 2 fois 3 est égal à 6. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 est égal à 5. 6 fois 5 est égal à 30. Racine carrée moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, racine carrée de 2 au carré qui est égal à 2. Moins racine carrée de 2 fois 3 racine carrée de 5 est égal à moins 3 racine carrée de 10. Et 2 racine de 10 moins 3 racine de 10 est égal à moins racine de carré de 10 et 30 moins 2 est égal 30 moins 2 est égal à 28. Donc je trouve moins racine carrée de 10, et B est égal à moins racine carrée de 10, plus 28. On calcule C, donc on voit que C est une identité remarquable, A moins B carré, avec A est égal à 3 racine carrée de 2, et B est égal à 5. Donc là, on trouve C est égal à 3 racine de 2, le tout au carré, moins 2AB, 2 fois 3 racine de 2, fois 5. Plus 5 au carré. 3 racine carrée de 2 au carré, 3 au carré, racine de 2 au carré. 3 au carré, c'est 9. 9 fois 2 est égal à 18. 2 fois 3, racine carrée de 2 fois 5. 2 fois 3, 6. 6 fois 5, c'est 30. Donc, je trouve moins 30 racine carrée de 2 et 5 au carré est égal à 25. On réduit, on a 18. 18 plus 25 est égal à 43. Donc je trouve C est égal à 43 moins 10 racine carrée moins 30 racine carrée de 2.
je développe. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 6 fois 3 qui est égal à racine carrée de 18 moins racine carrée de 6 fois 2 racine carrée de 2 est égal à 2 racine carrée de 12 moins plus racine carrée de 6 fois racine carrée de 6 est égal à racine carrée de 6 au carré qui est égal à 6 moins 5 fois racine de 6 est égal à 5 racine carrée de 6, moins 3 racine de 2 fois racine de 3 est égal à moins 3 racine carrée de 6, moins 3 racine carrée de 2 fois moins 2 racine de 2, moins 3 fois moins 2 est égal à 6, racine de 2 fois racine de 2, racine de 2 au carré est égal à 2, 6 fois 2 est égal à 12, moins 3 racine de 2 fois racine carrée de 6 est égal à moins 3 racine carrée de 2 fois 6 est égal à moins 3 racine carrée de 12. Et moins 3 racine carrée de 2 fois moins 5 est égal à plus. 3 fois 5 c'est 15, donc 15 racine carrée de 2. Je vois que je peux encore simplifier 18. 18 est égal à 9 fois 2, donc racine carrée de 18. Est égal à racine carrée de 9 fois racine carrée de 2 est égal à 3 racine carrée de 2. De même, racine carrée de 12 est égal à racine carrée de 4 fois 3, qui est égal à 2 racine carrée de 3. De même, ici, racine carrée de 12 est égal à racine carrée de 4 fois 3, qui est égal à 2 racine carrée de 3, plus 15 racine carrée de 2. Donc là, je calcule, ensuite je simplifie. Donc la 3 racine carrée de 2, moins 2 fois 2, c'est 4 racine carrée de 3, plus 6, moins 5 racine de 6, plus 3, moins 3 racine de 6, plus 12, moins 3 fois 2 est égal à 6 racine carrée de 3, plus 15 racine carrée de 2. Je simplifie, je réduis 3 racine de 2. Plus 15 racine de 2 est égal à 18 racine carrée de 2, moins 4 racine carrée de 3, moins 6 racine carrée de 3, est égal à moins 10 racine carrée de 3, moins 5 racine carrée de 6, moins 3 racine carrée de 6 est égal à moins 8 racine carrée de 6, plus 6 plus 12 est égal à 18. Et je trouve que D est égal à 18 racine de 2, moins 10 racine de 3, moins 8 racine de 6 plus 18. Je calcule E. Je commence par simplifier racine carrée de 18. Racine carrée de 18 est égale à racine carrée de 3 fois 2. Racine carrée de 9 fois 2 est égale à 3 racine carrée de 2. C'est comme j'ai racine carrée de 9 fois racine carrée de 2 est égal à 3 racine carrée de 2. Je développe 3 racine carrée de 2 fois 5 racine de 2. 3 fois 5 est égal à 15. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 est égal à racine carrée de 2 au carré qui est égal à 2. Et 15 fois 2 est égal à 30. Plus 3 racine de 2 fois racine de 3 est égal à 3 racine carrée de 2 fois 3 qui est égal à racine carrée de 6. Moins 2 racine de 3 fois 5 racine de 2 est égal à moins 2 fois 5 c'est 10 racine de 3 fois racine de 2 est égal à racine carrée de 6 moins par plus c'est moins donc moins 2 racine de 3 fois racine de 3 c'est racine de 3 au carré est égal à 3 et 2 fois 3 est égal à 6. Je simplifie, on a 30 moins 6 est égal à 24. Et 3 racine de 6, moins 10 racine carrée de 6, est égal à moins 7 racine carrée de 6. On calcule f. On a f. Ici, l'exposant est impair. Donc là, j'essaie de simplifier. On a racine carrée de 10 au cube fois racine carrée de 10 le tout puissance 7. C'est comme j'ai racine carrée de 10 puissance 7. On a racine carrée de A fois racine carrée de B, est égal à racine carrée de AB. Donc là, je trouve racine carrée
10 au cube fois 10 puissance 7, qui est la racine carrée de 10 puissance 3 plus 7, qui est la racine carrée de 10. Racine carrée de 10 puissance 10. Et 10 puissance 10, c'est comme j'ai 10 puissance 5 le tout au carré. La racine carrée de 10 puissance 5 le tout au carré est égale à 10 puissance 5. Je trouve f est égal à 100 000. On a 1, 10, 5 facteurs, ou bien j'écris 1 et 5 0 à droite. On calcule B. B, G, C, D, F et E. On commence par calculer B. B, c'est comme on a racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est racine carrée de AB. Voilà. Donc, B est égal à racine carrée de 7, A est égal à racine carrée de AB, j'ai dit, comme A est égal à 7 moins racine carrée de 13, et B est égal à 7 plus racine carrée de 13. J'ai racine carrée, le tout, 7 moins racine carrée de 13 plus 7 racine, plus 7, facteur de 7 plus racine carrée de 13, comme j'ai. Identité remarquable, A moins B facteur de A plus B avec A est égal à 7, B est égal à racine carrée de 13. Je trouve 7 racine carrée de 7 au carré moins racine carrée de 13 au carré. 7 au carré, c'est 49. Racine carrée de 13 au carré est égal à 13. Et 49 moins 13 est égal à 36. Donc racine carrée de 36 est égal à racine carrée de 6 au carré qui est égal à 6. C. On a c est égal à racine carrée de 7 plus 3 racine de 2, le tout au carré, identité marquable A plus B au carré, plus 5 moins racine de 14 au carré, identité marquable A moins B, le tout au carré. Je calcule. Voilà. Donc c'est comme j'ai racine carrée de 7 au carré, plus 2 fois racine carrée de 7 fois 3 racine carrée de 2, plus 3 racine de 2 au carré, plus 5 au carré, moins 2 fois 5 fois racine carrée de 14, plus racine carrée de 14 au carré. Calcul, racine carrée de 7 au carré est égal à 7, plus 2 fois 3 est égal à 6, et racine carrée de 7 fois racine carrée de 14, je trouve plus 6 racine carrée, plus 6 racine carrée de 14, plus 3 racine de 2 au carré, c'est comme j'ai 3 au carré, c'est 9, fois racine de 2 au carré, fois 2. 9 fois 2 est égal à 18. 5 au carré est égal à 25, moins 2 fois 5 est égal à 10, donc je trouve moins 10 racine carrée de 14. Racine carrée de 14 au carré est égal à 14. Je réduis. On a 7 plus 7 plus 18 plus 25 plus 14 est égal à 64. Et 6 racine carrée de 14 moins 10 racine carrée de 14 est égal à moins 4 racine carrée de 14. Donc je trouve C est égal à 64 moins 4 racine carrée de 14. On calcule. On a D. D sous forme de A carré fois B carré. Donc on écrit A fois B, le tout au carré. Donc là, vous voyez A fois B, le tout au carré. Avec A est égal à 3 racine de 7 moins racine carré de 6. B est égal à 3 racine carré de 7 plus racine carré de 6. Je vois entre crochets qu'on a A moins B facteur de A plus B. Donc A carré avec A est égal à 3 racine carré de 7 et B est égal à racine carré de 6. Donc, égal à A carré moins B carré. C'est-à-dire 3 racine carré de 7 au carré moins racine carré de 6 au carré. Donc, je trouve D est égal à 3 racine carré de 7 au carré. C'est comme j'ai 3 au carré qui est égal à 9. Racine carré de 7 au carré qui est égal à 7. 9 fois 7 égale à 63. Racine carré de 6 au carré est égal à 6. Et 63 moins 6 est égal à 57, donc D est égal à 57
au carré qui est égal à 57 fois 57 est égal à 3249. E, c'est remarquable, A plus B au carré est égal à racine carrée de 3 racine carrée de 5 et B est égal à 2 racine carrée de 10. Donc je trouve E est égal à 3 racine carrée de 5 au carré plus 2 fois 3 racine carrée de 5 fois 2 racine carrée de 10 plus 2 racine carrée de 10 au carré. 3 racine carrée de 5 au carré. C'est comme j'ai 3 au carré fois racine de 5 au carré. 3 au carré, c'est 9. 9 fois 5 est égal à 45. 2 fois 3, 6 fois 2, 12. Et racine carrée de 5 fois racine carrée de 10 est égal à racine carrée de 5 fois racine carrée de 10 est égal à racine carrée de 5 fois 10 est égal à racine carrée de 50. 2 racine carrée de 10, le tout au carré. Le 2 au carré qui est égal à 4. Racine de 10 au carré est égal à 10. 4 fois 10 est égal à 40. Je réduis. 45 plus 40 est égal à 85. Plus 12 fois racine carrée de 50, c'est comme j'ai racine carrée de 25 fois 2. C'est comme j'ai racine carrée de 25 fois racine carrée de 2. Donc est égal à 5 racine carrée de 2. Donc, racine carrée de 50 est égal à 5 racine carrée de 2. Et enfin, je trouve E est égal à 85 plus 12 fois 5 est égal à 60. Donc, je trouve 60 racine carrée de 2. Calculer F. On développe. On a 3 racines de 2. 3 racines de 2 fois racine carrée de 3 est égal à 3 racines carrées de 2 fois 3 qui est égal à 3 racines carrées de 6. 3 racines carrées de 2 fois moins 5 racines carrées de 2. Donc plus point moins est égal à moins. Tout moins. Et 3 fois 5, c'est 15. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 au carré qui est égal à 2, et 15 fois 2 qui est égal à 30. Plus 3 racine carrée de 2 fois 4, 3 fois 4 c'est 12, on trouve 12 racine carrée de 2. Racine carrée de 6 fois racine carrée de 3 est égal à racine carrée de 6 fois 3 qui est égal à racine carrée de 18. Et racine carrée de 6 fois moins 5 racine carrée de 2 est égal à moins 5 racine carrée. 2 fois 6 qui est égal à racine carrée de 12, plus 4 fois racine de 6 est égal à 4 racine carrée de 6. Je trouve F est égal, donc je réduis ici, 3 racine carrée de 6 plus 4 racine carrée de 6, égale 7 racine carrée de 6, moins 30, plus 12 racine carrée de 2, et racine carrée de 18, c'est comme on a 3 fois 2, 3 fois racine carrée de 9 fois 2 est égal à 3 racine carrée de 2. Donc racine carrée de 18 est égal à 3 racine carrée de 2. Racine carrée de 12, racine carrée de 4 fois 3 est égal à 2 racine carrée de 3. Et 5 fois 2 est égal à 10. Donc je trouve enfin, c'est égal à 7 racine carrée de 6 moins 30 plus 15 racine carrée de 2, c'est-à-dire 12 plus racine carrée de 2 plus 3 racine carrée de 2, qui est égal à 15 racine carrée de 2, j'ai réduit ici, et moins 5 fois 2 racine carrée de 3 est égal à moins 10 racine carrée de 3. On a g est égal à racine carrée de 21 moins racine carrée de 14 au carré, et donc c'est remarquable A moins B au carré. On trouve A carré racine carrée de 21 au carré, moins 2 fois racine carrée de 21 fois racine carrée de 14, plus racine carrée de 14 au carré. On a racine carrée de 21 au carré est égal à 21. Et là, pour racine carrée de 21 fois racine carrée de 14, au lieu de multiplier 21 par 14, je vois qu'ils ont un grand diviseur commun qui est 7.
Donc 21, je peux l'écrire sous forme de 3 fois 7 et 14 sous forme de 2 fois 7. Et là, j'ai racine carrée de 14 au carré est égal à 14. Je fais la somme 21 plus 14 est égal à 35. Et de racine carrée, je fais comme j'ai racine carrée de 3 fois racine carrée de 7. Et là, c'est comme j'ai racine carrée de 2 fois racine carrée de 7. Je trouve ici 35 moins j'ai racine carrée de 7 fois racine carrée de 7 est égal à 7. Donc, je trouve 7 fois 2 racine carrée de racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 6. Donc, je trouve 4. 14 racine carrée de 6. Donc, j'ai cela égal à 35 moins 14 racine carrée de 6. Vous voyez bien ici, au lieu de faire le calcul et après décomposer racine de 21 fois racine de 14, donc là, c'est mieux. Et si vous voyez qu'il y a un diviseur commun, c'est mieux de faire sortir ce diviseur pour donner une écriture simple au début. À bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires.